Bonjour, ben, je vais vous présenter notre appareil Voxtock, qui est un jukebox connecté et qui permet de stocker l'ensemble de votre bibliothèque musicale dans l'appareil. Donc on peut ripper vos CD, uploader vos fichiers et tout ceci en haute qualité. Ce produit a d'autres services qu'on propose, c'est-à-dire le service de multi-room qui permet d'avoir des musiques différentes dans des pièces différentes. On a aussi la possibilité de faire la virtualisation de votre stockage, de votre bibliothèque dans le cloud qui vous permet après, on the go, d'écouter votre musique à distance dans votre bibliothèque. Voilà. On a aussi plusieurs services de recommandation qui sont des services qui vont vous permettre de trouver réellement le morceau que vous voulez écouter. Donc ce n'est pas des recherches assez compliquées. Il y a des musicologues qui travaillent dans ce sens et qui vont essayer de vous apporter le bon fichier que vous voulez écouter. Alors la télévision est dans ce cas-là un client sur lequel vous pouvez vous accéder en tant que client à jouer la musique qu'il y a dans la capsule. La télécommande est un device, on n'a pas voulu rajouter de télécommande parce qu'on en a trop à la maison. Donc votre télécommande, c'est votre iPhone, votre tablette. Donc là, vous pouvez voir l'interface très, très conviviale où vous avez l'ensemble de vos albums qui sont présentés en mode mosaïque. Vous pouvez aussi avoir en mode liste l'ensemble des albums que vous pouvez accéder. La même chose au niveau artiste, songs et bien sûr vos différentes playlists que vous avez créées et que vous pouvez par exemple écouter et lancer. Voilà. Et je vais pouvoir aussi, à partir d'ici, commander et envoyer la musique dans une pièce donnée. Bon, c'est un honneur d'avoir eu la récompense de l'Award 2015 au CIS. C'est un produit pour lequel on va commencer les précommandes à partir dans quelques jours, quoi, ce mois-ci, et pour des livraisons à partir du deuxième trimestre 2015. L'ordre de prix, c'est aux alentours de 1 900 euros à peu près. Voilà.